selon que je dis à nous autres faire une réunion stratégique avec différentes coordinations départementales, secteur démocratique. Chaque coordination a gagné au moins 7 personnes dans la réunion. La réunion ça permet de comprendre que aujourd'hui, pendant que nous parlons là, dans chaque département géographique qui est dans le pays, le secteur démocratique a gagné une coordination départementale solide, bien implantée, bien organisée. Et ça, son félicitation pour tous responsables départementaux qui ont participé dans la rencontre qu'il a. C'est une très bonne nouvelle, son excellente nouvelle. Dans chaque département géographique qui est dans le pays, secteur démocratique et populaire, gagne une coordination départementale bien organisée, bien implantée. Il y a une femme là-dedans, il y a un qui a 50 ans là-dedans, il y a un qui a 70 ans, il y a un qui a 20 ans, il y a un qui a 20 ans. Ça veut dire que le secteur démocratique là, sur le plan structurel, il est représenté dans tout département géographique. Deuxième élément, nous y rejoignons qui est très important, c'est que pendant la parler là aujourd'hui, le secteur démocratique là représenté de manière structurée, de manière organisée, dans 50% des communes qui sont dans le pays. Son bagage extraordinaire et là encore son félicitation totale capitale pour commune Sayo qui déjà structuré dans nos secteurs démocratiques. Et dans le jour qui vient là, il faut nous représenter dans 100% commune qui vient dans le pays d'Haïti. Parce qu'il faut nous construire un outil qui est capable de construire l'État André Nel lui-même dans le palais. L'État qui pour défendre l'intérêt massif. L'État défendre l'intérêt professeur, l'État qui vous défend l'intérêt diaspora, l'État qui vous défend l'intérêt jeune, l'intérêt femme, l'intérêt paysan, l'État qui vous défend l'intérêt socio-professionnel, l'intérêt machin, l'État qui vous baille sécurité dans le pays, faut que nous construisons. Mais pour le construire, même si bon Dieu l'aime, nous c'est vrai, même si les moyens de nous c'est vrai, l'esprit de nous c'est vrai, mais ils ne pas venir construire pour nous, il y a guidé nous, il y a aidé nous, mais c'est nous pour construire, et pour nous construire l'État ça, pour nos outils politiques solides. Voilà pourquoi nous engager dans la bataille pour nous structurer le secteur démocratique. L'autre bagaille qui est important, c'est que son mobilisation souterraine. Pendant parce que le secteur démocratique lui-même a marché sur deux pieds. Pendant, il y a un effort qu'a fait pour nous renforcer nous sur le plan structurel, mais on a continué dans la logique de mobilisation pour respecter la Constitution. Et c'est ça qui fait, 28 mars, 29 mars, dans la rue, dans la mobilisation, ensemble avec toute société civile là pour nous continuer à exiger respect constitution. Et le 30, c'est une journée de mobilisation pour supporter les policiers dans la bataille à mener parce que les policiers travaillent dans des conditions extrêmement difficiles pour nous bannir notre sécurité. Les policiers travaillent dans des conditions difficiles pour des pouvoirs en place là lui-même, la fait alliance avec gang pour faire kidnapping. Pour compliquer la bataille policière menée pour la sécurité. Nous tous nous constatons que j'ai massacré au village de Dieu, 12 mars 2021. Et nous tous nous connaissons que faire opération au village de Dieu à échouer. C'est parce que les policiers n'ont pas un système de renseignement qui fonctionne. L'agent qui vient pour renseignement par le national évangile. Et deuxièmement, avant même l'opération commence le village de Dieu, par le national et les bandits. Il dit bandits, les policiers viennent faire opération et ça fait négocier dans le trou pour massacrer les policiers. Le 30, à bonne journée de mobilisation pour nous dire solidarité nous avec les policiers qui aujourd'hui a gagné des revendications fondamentales, revendications pour rejoindre corps, camarades, yo,
assassiné, il a été tué que yon enterré. Ça, son minimum. Ça que nous dit Léon Charles lui-même, son chef la police sans dignité, sans caractère. Parce que, quoi alors son chef la police? Quoi alors son chef la police qui compte ça, ça veut dire chef la police? Écoutez, Léon Charles, fait, il était supposé assumer responsabilité pour qu'il cherche cadavre. Police dans le village de Dieu. On est là chercher cadavre pour le famille, pour l'enterrer dans la dignité, il paye l'argent pour la chercher en blé. Et au team, il mettait All Black. Qui est-ce qui a dit All Black là? C'est Barbecue, mon chef. Ça veut dire qui ça? Léon Charles, Jodia, lui gagne des alliances avec Barbecue, avec le chef de camp. Non, situation comme ça, il faut nous porter solidarité. Bail policier, et c'est ça que fait journée 30 ans dans l'ensemble. Mais 28-29, c'est mobilisation pour respect constitutionnel. Mais ça qui est important, c'est pas seulement movilisation pour respect constitutionnel. Jovenel Moïse, son cadavre, on a fini depuis 7 ans. Les pavés, n'a privé faire constitution respecter, n'a privé déproquer Jovenel Moïse contre le populaire. Mais ça qui est important, c'est bataille pour nous craser. Système baisé sous C qui s'y maille misère avec inégalité dans quatre pays. C'est ça qui est important. Et c'est système inégalité ça qui, je dis, 8 février 2021, mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini, et puis il signe un document qui paye à peine 18 millions de dollars américains pour faire zone franche, il paye à peine environ 10 000 caotés paysans et Maïsade, paysans Saint-Michel Latalaï, paysans Trou du Nord, Saint-Raphaël, pour la personne franche. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que comme nous pays, c'est pour à peine lié. Et comme nous tous qui là, ça avec à peine notre travail, avec à peine nous. Et c'est ça que le secteur démocratique là, obligé de construire outils politiques qui est capable de transformer l'État et changer les conditions de la vie. Parce que nous ne pouvons pas accepter ça. Mandat, monsieur, fini depuis 7 février. 8 février, nous pouvons arrêter. Il va y avoir 18 millions de dollars américains. Il va y avoir plus de 10 millions de carottes paysans. Nous disons à peine un. Remettre comme là. Remettre comme là, retourner comme là dans notre trésor public. Et nous disons deuxièmement, paysans, nous devons reprendre terre. Nous disons paysans, reprenez parce que Jovenel Moïse n'a pas été droit avec les paysans, 8 février 2021. Et c'est cette bataille, secteur démocratique là, et ça qui est vraie bataille peuple là. C'est une bataille pour nous changer effectivement condition la vie peuple. Condition la vie policier, professeur, mon quartier populaire. Jeunes, femmes, c'est ça qui est plus important et c'est dans la bataille ça, secteur démocratique pour les haïtiens. Je vais tout annoncer nous que lundi, nous avons plein de côté cabinet d'instruction. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes avocats, famille policière au massacre de village de Dieu, 12 mars 2021. Eh bien, lundi cap vina, nous prenons côté plainte contre tout le monde qui n'a au commandement la police là. Et nous prenons côté plainte contre tout le monde qui participait dans le massacre policier nous dans le village de Dieu vendredi 12 mars 2021. Parce que c'est inacceptable de massacrer policiers, de couper cadavres, de traîner cadavres dans la bourrette. Et puis. L'État qui dit cadavre en bas, qui a pris des cadavres, et puis Léon Charles a négocié pour capable de prendre un chablin. Cela est inacceptable. Le secteur démocratique là a continué à accompagner le peuple là dans la bataille pour nous capables de changer les conditions de la vie. C'est ça qui est plus important. Et pas oublier, 28 mars, 29 mars, c'est mobilisation pour respecter. Mais pendant la mobilisation pour respect à la Constitution, hein, ça qui est plus important, c'est mobilisation, c'est bataille pour nous changer, pour nous craser le mode de l'État. On l'État cadavre, on l'État reste avec. Si ce n'est pas ton l'État reste avec, il ne faut pas quitter le monde dans le quartier populaire sans l'école professionnelle. Il ne faut pas quitter les policiers sans le bagage. Il ne faut pas quitter. Peuple là, sans l'école pour petit, sans l'hôpital
bled malade, et puis pour 8 février, pour yon prendre 18 millions de dollars américains, yon ba yon sel moun yon rapé. Yon prend tout le pays, yon prend, yon prend l'état reste avec. Et c'est l'état ça pour changer. Et bataille ça, c'est bataille fondamentale. Secteur démocratique et populaire pour ne pas vous défendre. Et c'est ça qui fait, pendant la mobilisation, on a structuré le secteur démocratique et populaire. Je dis à nous représenter dans tout département, nous représentons dans plus que 50% de communes. Très bientôt, dans toute commune, dans tout quartier, il faut consolider une force politique capable de matérialiser le changement rêvé par le peuple haïtien. Voilà l'objectif du secteur démocratique et populaire. Merci à vous. Pour nous tous rassembler matin pour nous faire une conférence de presse. Pour commencer, tout le secteur en entier a présenté sympathie par le docteur Reginald Boulos, qui est victime par pouvoir, qui devait être groupe gang dans la rue pour écraser toutes les entreprises que le gagne. A noter, les gens tellement fait mal la mal, c'est seul business Reginald Boulos qui crase sous le taille au bois. Parce que je ne veux dire, il est campé dans l'émotion. Et nous profitons de ce passage ça pour nous dire, il n'est pas pour lui et tout secteur démocratique comprendre notre situation. À noter, tout le monde voit une opération qui était faite dans le village d'Étude, qui coûtait la vie plusieurs policiers, même au état-major, la police n'a pas en mesure pour le bail, quantité de policiers mourir, quantité de policiers pour être disparu, quantité de policiers qui l'hôpital. Et quantité de policiers tout qui blessés. Et le secteur démocratique a profité d'espace ça pour nous dire, eh bien, tout le monde voit ces calendriers bouchés, comme le monde qui sont censé victimes par opération ça, dans le cadre au chef. Mais cependant, on a rappelé, calendriers bouchés, c'était un monde qui était responsable de la police, qui était mettre divers mondes dans le secteur démocratique, comme quoi que nous allons casser pour ça. Mais ça va suffire tout. Eh bien, pour nous, c'est menti à paille. Pour nous, c'est seul monsieur qui a puni comme coupable pour nous quitter sa passe. Dans ce qui passé dans le village de Dieu, tout le monde connaissait tout le état-major de la police qui a gagné la radio-communication de la police dans le même. Et c'est tout qui a bouché les oreilles, les policiers ont pris des secours. Et je dis à tout le monde constater, c'est seul canon qui est victime. Alors que Léon Stahl toujours été dans le poste. Tout le état-major a toujours été dans le poste. Comme quoi que c'est seul monsieur. Eh bien, qui t'a l'autre, tout le monde qui mourit, alors que tout vrai coupable, il aurait été dans la poste. Mes amis, tout le monde songeait au monde de coupable ménage, eh bien, qui t'a empêché les policiers de river quand le jour de la terroriste de gang, eh bien, ils ont été couru malgré pour des droits de monsieur de sa passé, ils ont seulement retiré le DDO, ils ont envoyé la grande danse. Ça veut dire qu'il n'est pas coupable, il n'est pas responsable de sa passé, il a été tué. Et nous, ouais, on est en cours Vladimir Parisson. Mes amis qui étaient dans le kidnapping, qui étaient dans la drogue, qui étaient dans la corruption, je te mettais le dehors dans la police, je ne dis pas, Léon Salle, qui est peuple arrivé, Léon Salle, je dis, retournez avec monsieur pour être capable d'attaquer le monde qui est dans l'opposition. Je dis, nous venons dire avec famille et amis, proches policiers qui victimes, nous comprenons douleur, nous comprenons peine, nous comprenons souffrance, nous disons pas pour contre. Tout policier qui mourit, ils mourent dans l'essayer de faire peuple la sécurité. Dans l'essayer de freiner le phénomène de kidnapping. Mais cependant, avant même les bandits, eh bien, et la police vivait le village de Dieu, tout le bandit était déjà connu et ça fait facile pour les policiers de mourir. Et je vous dis à tout le monde constater, ils ont plein de plus important que les cadavres policiers qui sont dedans. Et jusqu'à présent, la minute à parler là, il y a un pile parole qui fait qu'on est. Et bien, les policiers qui toujours étaient vivants, ils ont dedans. Par contre, aucune opération qui a fait pour aller chercher le cadavre pour que les familles avec la vie. Je tiens, nous venons dire avec le peuple haïtien, nous-mêmes qui faisons partie du secteur démocratique, nous sommes toujours à dire aux policiers, préférez nous mettre nous beaucoup de peuple là, au lieu de nous mettre nous beaucoup de sanguinaires à eux, pour dire que c'est dirigeant pays. Si nous tous nous campés beaucoup de peuple là, nous ne pas de gaz. Nous ne pouvons pas arrêter les mal. Nous ne pouvons pas faire les gens pour Jovenel. Je dis un sac à passer la police. Il n'y a pas de passer. Moi, je vais finir pour me dire avec le peuple ici. Je pense que ça qui vient là, c'est intégrité, c'est moral. Nous tous qui attaquons. Mais ça ne suffit pas tout. Et bien, pour nous quitter des gens et des là. Et ça fait toute mobilisation qu'a fait là. Nous demandons à tout le monde, maintenant, quel que soit le pays, c'est participer là-dedans. C'est prendre responsabilité. Pour demain, tout le monde a fait dire, il a levé, campé, parce qu'il y a des petits qui policiers qui sont victimes.
c'est responsabilité nous, en tant que dirigeants secteur, pour nous accompagner, nous avons et nous sommes dans le plat. Et même j'en trouve le niveau d'Elma 32, dans le carrefour aéroport, dans le carrefour de résistance, dans la zone place des salines, ça veut dire champ de masse, ça veut dire tout le monde a rassemblé là, du merci de Dieu, pour nous prendre la rue. Moi, ça qui est là, moi, je pense que c'est responsable de chaque grain de monde pour nous faire seul avec les policiers. Pour nous dire police, population, à fond seul, pour nous déchouquer tout le monde. C'est ton plaisir.